Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode des casters de Timberborn. Timberborn, un jeu qui refuse de zoomer. Pourquoi ma souris elle est claquée? Qu'est-ce qui merde? Voilà, c'est bon, ça va mieux. T'es resté bloqué dans un futur du passé. Excellent. Excellent. Alors, comme vous avez vu... voilà. C'était Knarfan sur Comme d'habitude Gaming. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer, peut-être. Peut-être l'avez-vous noté. Nous avons... j'ai commencé, excusez-moi, plutôt la perforation de la côte. Hein, je suis en train d'éclater tout ça. J'ai refait... Alors oui, il faut que je fasse le bac. Comme ça, on le voit. Tadam, j'ai baqué. J'ai décidé de mettre des énormes cuves ici, hein, dans le doute. Hein, plus de cuves, plus de caisses. Hein, j'ai dû reconstruire mes trucs. Refaire cette fois-ci bien tous les branchements. Donc cette fois-ci, c'est officiel. Tout est branché ensemble. J'avais oublié de refaire la jonction ici. J'avais laissé ça en travaux. Je me déteste. Oui, complètement. Hop. Voilà. On peut leur demander de me récupérer ça. Formidable, j'ai donc mis là, on a attaqué une sécheresse. Bah, tout s'était plutôt bien passé. C'était bien passé. Là, l'idée c'est qu'en rabotant la montagne, je vais pouvoir étendre mes champs. Hein, parce que mes gars vont jusqu'ici actuellement. L'idée c'est que je vais pouvoir rajouter un peu de champs. Parce que j'ai pas de problème de blé, j'ai pas de problème de tout ça. J'ai même pas de problème de farine d'ailleurs. Finalement, est-ce que je devrais pas ajouter dès maintenant? Dès maintenant. Dès que je trouve. Deux boulanges pâtes. J'arrive. Là, j'en mets une sur le pain. Une sur le Limp Bizkit. Voilà. Finalement. J'ai rallongé un peu les stockages de certains là. Hein, donc on a maintenant du vrai stockage de massette. On a une cuve pour l'érable. Bon, il s'est pas passé grand chose quoi. Bizarrement, quand on arrête de pomper l'eau, on a plus d'eau. C'est bizarre ça. C'est fou hein. Un original hein. Arrêtez de pomper de l'eau. J'aime mon originalité. Et comme ça, j'essaie de retenir l'eau le plus longtemps possible. Même si je suis en train de me dire que... Bah finalement, la sécheresse, elle est combattue grâce à cette cuve, finalement. C'est vraiment en train de me poser la question de est-ce que je peux faire pas un autre rempart de flotte. Mais la réponse est non. La réponse est non. Je ne veux pas. Ils peuvent profiter de leur lido. Non, ils sont bien. Donc là, on est sur une petite sécheresse de quelques jours. On va arrêter les pompes, ça devrait bien se passer. Alors par contre, vraiment pas un courant d'air, mais quel enfer. Mais quel enfer. Du coup, on ne produit pas de TNT, évidemment. Pendant ce temps-là, c'est d'une lourdeur infinie. Ah, vas-y. Faites-moi ça. Super, je vous fais commencer une vidéo sur il n'y a rien à faire. C'est pas mal. C'est un style de gaming quoi. Biscuiterie, c'est du blé. Non, je vais pas en rajouter. J'ai pas envie de tomber en rade de sirop d'érable. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence alimentaire. Voilà. Donc on est bon. Même si, est-ce que je devrais pas me faire un énorme entrepôt à pain? Vraiment, un entrepôt de fou. Mais alors de fou furieux, quoi. Genre un entrepal à pain. Ça, on est sûr que c'est stockade, quoi. J'en rentre deux, là. Hein. Ah, ouais. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. Excusez-moi. Hop là. Vous pouvez tout re-ranger. Hein. Voilà. Moi, c'est ça.
Ça, c'est pour mettre du pain. Alors, patate, on est comment? Patate, patate, on a l'air extrêmement confort, hein. Mais j'ai envie de mettre du biscuit. Genre, vraiment, on stocke comme si on était en guerre. Du pain et des biscuits. Il est très tranquille, notre guerre. Mais comme si nous étions en guerre. Parce que nous sommes en guerre avant tout. Ah oui, il y a une autre énorme cuve d'eau ici. Je me suis dit, ouais, il faut qu'on puisse stocker vraiment des milliers de litres. On peut stocker près de 5000 litres. C'est pas mal. Ça commence à être sérieux. Ils arrivent encore à produire de la dynamite? Mais c'est des rigolos. Comment vous produisez de la dynamite? Ah, le vent a repris. D'accord. Le vent a repris. J'étais en train de me dire, mais comment font-ils cela? Mais par quelle magie? Obscur. Ah, ça y est, l'eau commence à être un peu basse. Ouais, elle est très basse quand même là. Bah, on va libérer un peu d'eau. Faut pas plus, pas plus, pas plus, hein, ça suffira. Une petite goulée, comme on dit, ça fera le taf. Voilà, ça remonte un petit peu le niveau. Ça peut tanker un peu, ça peut subir un peu, c'est pas trop un problème, hein. Voilà. Finalement, je crois que je vais devoir enlever du blé parce qu'on en a beaucoup trop, hein, vraiment. Vraiment, on a des quantités de blé, je sais plus quoi en faire. Mais le problème, c'est que j'ai des quantités de tout. J'étais un peu galère en graines de tournesol. Je suis en train de me demander si j'ai un vrai stockage de graines de tournesol, là. Est-ce que je stocke vraiment de la graine de tourne? J'ai pas l'impression de réellement stocker de la tourne. Je sais pas trop où est-ce que c'est stocké, même d'ailleurs tout court. Bah, c'est marrant, en fait, finalement, c'est le dernier entrepôt du village, lui. C'est rigolo. C'est un peu rigolo. Est-ce qu'on aurait pas envie de le supprimer? Patates, des marrons, des jaunets. Ouais, bah globalement, on a à fond sur tout, sauf les marrons, hein, bien sûr, on est en galère permanente. Hein. Tu nous remets une gouttelette d'eau. Ouais. Il nous remet un peu d'eau, voilà. Voilà, voilà, c'est très bien, c'est très joli. Tu peux tout arrêter. Donc le terrain il a soif, hein. Bois, 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 vas-y, glou, 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 glou. C'est bon, ah, c'est bon, il y a du glou, glou, là. C'est bon, c'est bon. Ah, mais ils ne peuvent plus aller jusque là parce que j'ai construit des bâtiments entre deux. Ah, du coup, cette zone-là n'est plus exploitable. Ah. Ouais, ok, d'accord. Ça, ça sort. Ok. Ah donc, faut quand même se méfier. Faut rester vigilant. On va entreposer de la nourriture. Parce que je vois pas. Je vois pas pourquoi ne pas le faire finalement. Puisque nous avons la ressource infinie et cosmique. Voilà. Les grands entrepôts. Les grands entrepôts. On va partir sur des choses très très basiques, hein. Voilà, ça, de la carotte, de la carotte, de la graine de tournesol, si on en trouve ici, ouais. Voilà, les marrons, c'est pas un stockage dont on a besoin. On va stocker de la patate. Allez, de la patate cuite. Mais j'ai envie de me rajouter un dépôt pour la patate crue.
Je vais la rajouter ici. Alors je pourrais dynamiter la montagne comme un gros sac, mais va pour de la patate crue ici. La crue. Ah oui, je lance des grands entrepôts comme si j'avais des rondins à l'infini. Moi, je suis un neuneu. Mais bon, voilà, j'ai plus besoin que de dynamite. Exclusivement de la din. Tout va bien, tout a repris. Pompé! Gacho pompé l'up. Voilà. Normalement, ça devrait aller en termes de puissance de chevaux fiscaux. On est au max. Voilà. Elle est belle, c'est tout. On s'éclate, hein. On se dilate la rate, hein. On s'éventre le gésier à ce que je vois ici. Bon, on va les fermes, j'ai pas besoin d'étendre plus. Je m'embêterai. Franchement, je m'embêterai pour rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller plus loin. Par contre, voilà. Vous pouvez reprendre le boulot normalement. L'eau était quand même bien descendue. Hein. Il était quand même grand temps de se remettre à pomper. Hein. On peut toujours se créer un autre monstre ici. Hein, de pompage, à la limite. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Qu'est-ce qu'il est reposant ce jeu? C'est un vrai plaisir. Ok, ça évolue. C'est juste qu'on voit pas les chiffres nous évoluer, je crois. Ouais, ça, on les voit pas bouger. Ok, la pop-up ne s'actualise pas. On garde le curseur dessus. On est charrette sur le pompage. Ouais, si on est charrette. Hein. En plus, là, on est le soir. Il faut qu'on puisse pomper plus. Moi, je pense qu'il est grand temps d'aller pomper plus. Plus de pompe. Ah, plus de pompe ou plus de pompe? Et ouais. Parce que finalement, plus de pompe. Hop. Oh, putain, elles sont costauds, hein. Non, par là. Ok, et dessus. Voilà, on se rajoute ça. Voilà. Comme ça, moins de problèmes. 1, 2, 3, 4. De toute façon, c'est à profondeur max. Hein. Ça sert à rien que je dynamite. Pour aller plus bas. Waouh, waouh, waouh. Je viens de voir le niveau de l'eau vite fait là. Je vais, on va peut-être se calmer deux secondes. Hein. On est bien plein. Ah, quoique. Attendez. Oui, on est bien plein. Mais. Stop. Ça va déborder. Ouh. Le niveau de l'eau, il est remonté instant. Ça pompe bien, ça pompe dur. Hein. Le niveau de l'eau. La plus grande profondeur de 92. Je rappelle qu'à 3, ça déborde. À 3, on en fout partout. Hein. Celui-ci peut être atteint. Ouais. Ok, c'est juste qu'il n'y a pas tous les matériaux pour l'instant. Mais tout va bien.
dans le meilleur des mondes. Capital global. Oui, ok, d'accord. Ah, ok. Bon, ok, formidable. Donc, il y a des vues différentes pour aller sur les différents districts. Mais on n'a pas de district, nous. Nous, on est une seule super méga entité. Avec, je crois, des niveaux de production qui sont quand même très raisonnables. Productivité 78%. Si on arrive même à atteindre du 90 par là, je comprends pas trop pourquoi, mais. Très bien. Tant mieux. C'est un peu étonnant, mais tant mieux. Étonnant, mais dans le bon sens. D'ailleurs, je suis en train de m'embêter pour rien là. Hop là, récupérez-moi ça. Hein. Voilà, je n'ai pas besoin de leur demander de venir le récupérer. Ils sont tellement chiens, ils sautent dessus. Font oui, des planches. Ce chemin, j'en ai plus besoin. Bon, c'est ça par des packs de dynamite. Le plus bel effet. Hein. Toi, tu es atteignable. Hein. Toi aussi. Ok. Parfait. Finalement, je remplace la vie par des pains de dynamite. Voilà. Et l'idée, c'est que comme ça, je peux voir à peu près le niveau de l'eau. Enfin, du coup, je pourrais le voir des deux côtés. Hein. Pour l'instant, je peux le voir que d'un côté, mais après, je pourrais le voir des deux. Parce qu'après, dans le futur proche, ok, c'est très bien, c'est magnifique, on a des fermes, on a de quoi produire tout ce qu'il faut pour nourrir 130 habitants. C'est pas mal, hein. Pas mal, 130 habitants. T'as tous les lits sont occupés, on a 9 chômeurs. Hein. Pétard. On a quand même un peu de population. Hein. On va bien bosser. Hein. Oh. Oh, j'envisage des choses. Des choses qu'il n'est normalement pas permis d'envisager. Des choses. Comme ça. Ouh, je pourrais même envisager plus de choses. Comme. Par exemple, non, c'était très bien les maisons. Comme ça. Bon, c'est un peu. C'est un peu cavalier de ma part. Bon, attendez, hein, est-ce qu'on peut tasser des trucs hein? Parce que moi, si je peux tasser des trucs comme un gros débile, j'y vais. Hein. Ouf, c'est chaud. C'est chaud, hein, mais ça peut se faire. Hein. Je peux lui mettre un escalier juste pour lui. Ok, ensuite je pourrais en mettre un autre là. Oh, il se passe des trucs. Hein. Ça c'est valide. Hein. En termes de droit, c'est autorisé par la loi, il n'y a pas de problème. J'ai presque envie de dire. Et si je vous mets un arbuste, est-ce que vous râlez? Je pense pas. Je pense que là ils sont contents. Et je leur mets une petite loupiote juste là. Du plus bel effet. Hein. Du plus bel effet. Là, je mets une maison. Mais si je mets une maison comme ça, je peux pas mettre une 4. Est-ce que finalement, il ne faut pas sacrifier cet emplacement pour se mettre une petite... Ah là là, elle rentre pas. Oh si. Attendez, il se passe des choses.
Il se passe tellement de choses dans mon gaming que c'est impressionnant. Donc ici on est obligé de truquer une. Oh là 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 là. C'est dommage, hein. Eh bien ce sera comme ça. C'est bien dommage. Hop. Voilà. On peut remettre le lampadaire ceci dit. Oh, mais attendez, je suis couillon abrutitos de la lunasse. Mais je suis un aluminas. Mais je vois rien quoi. On peut se remettre un dépôt, un petit dépôt à la con là, de rondin. Excusez-moi, je suis trop bête. Un petit dépôt de rondin. Par contre, ce qu'on veut en habitation, c'est une habitation qui est dans cette direction-là. Voilà, parfait, impeccable. Voilà. Et franchement, voilà. Moi, je pense qu'il y a un avenir. Il y a un avenir à ce projet. J'ai pas envie, cette maison qui est déjà dans un petit truc paumé, là. J'ai pas envie de l'enfoncer plus. Je pense qu'on lui met sa petite toiture, là. Du plus bel effet. Je pense qu'on n'a rien de plus à réclamer. Assez braves gens. Ici on peut se mettre donc le fameux petit lampadaire des familles. Là on leur met tout ce qu'il faut pour les régaler. Sur un petit hamac les gars. Le petit banc à côté. Peut-être un qui veut faire une petite prière. Voilà, très bien. Très joli. Alors ici on peut pas fermer parce qu'il faudra aller raccorder d'autres maisons, d'autres maisonnettes derrière, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Très très joli. Par contre on peut déjà commencer à songer à un escalier. Voilà, avec son petit toit terrasse finalement. Alors j'ai pas besoin de population en plus, hein. Je le ferai vraiment pour le art design. C'est vraiment, je le fais pour le monde du gaming. C'est où le toit terrain, je le trouve plus. Oui c'est par là je crois, oui c'est ça. Voilà. Sur les petites décos qu'on pourrait se glisser peut-être à côté. Alors peut-être pas une déco, peut-être quelque chose de pratique, genre une disqueuse, hein. Une disqueuse à quenotte, hein, la fameuse. Voilà, ça c'est pas mal. Moi je trouve ça joli. On a un peu tout mis, hein. On est pas mal. On n'a pas mis le grand castor, on n'a pas mis Castorama et tout, mais on est pas mal. Voilà, c'est un petit, bien que on pourrait tous se décoller par là. Hein. On pourrait rajouter le Raptor Castor. On pourrait tous mettre là-haut, hein. On pourrait, hein. Oh putain, on pourrait tellement, j'avoue. J'avoue. Ah, tu peux même faire profiter de ta jouissance en contrebas. Oh là là, fais-nous jouir en contrebas. Le pylône. Je sais pas. Je suis pas convaincu parce que je suis en train de me dire, ouais, ok, d'accord, tout ça, mais. Mais. Moi, je rajoute ça. Techniquement, je peux rajouter casse-bas. Ah oui, mais la sortie de la casse-bas n'est pas dans le bon sens, hein, attention. Hein. Ça, c'est les problèmes. Hein. Ça, c'est les problèmes. En sachant que ça, on peut pas le couvrir. Ouais, on peut pas le couvrir lui. Ah. Oh. Oh. On s'en fait une rigolote comme ça. Ah mais non, je suis au-dessus de la disqueuse. Raté. Je suis pas... Ok. Je suis pas convaincu. En plus, je crois que des castors, il y en a un peu partout, en vrai. Je suis pas... tellement sûr qu'il manque d'exposition aux castors. Voilà. Non, non, je pense qu'on peut se remettre une maison comme ça. À moins que... Ça passe par-dessus. Jamais, ils m'ont dit. Jamais de la vie. Jamais tu mourras Martoni. Merde. Oh putain. Question à 8000 balles. Ça passe un toit terrasse là-dessus? Non, je crois qu'il faut que ce soit vraiment 100% sur le... Je vais vérifier.
Ah non, ça passe. Ouh. Ah, intéressant. On n'est plus obligé, parce que je crois qu'avant on l'était. Obligé de mettre à 100% le toit de terrasse dessus. Hein. Ça, ça c'est rigolo. Hein. Et donc, bah, juste à côté, je vais pouvoir nous rajouter une petite maisonnette. Hein, avec encore une autre, pour avoir bien le bonus de couverture, une autre toiture. On est très bien. Et finalement, on est très bien, mon cher Marc-Arthur. Voilà. C'est du plus bel effet, hein. Ce quartier. Hein. Le quartier, il est beau. Oui, et le petit bout de route qui va bien ici, bien sûr. On peut encore ajouter des caisses. Hein. On peut encore ajouter ça là. Je sais pas trop ce qu'il nous reste à rajouter. On l'aura pas placé, ça, voilà. Je sais plus quoi vous rajouter, les gars. Mettez ce que vous voulez. On dit que vous faites ça, mettez ce que vous voulez. Ce sera très bien. Alors, débloquons, puisqu'on est blindé en science comme un fou. Je pense qu'il est grand temps de débloquer des choses inutiles. Voilà, qui coûtent pas très cher. Et on débloquera les vraies choses plus tard. Voilà. Ça, c'est débloqué. Le dancing, ouais, le dancing, je pense que là par contre il y a un vrai projet social. Et je pense que c'est un projet social qui peut trouver un écho favorable dans cet endroit là. Parce que finalement là, bam, on est en plein cœur du centre-ville. Hein. Et je garde un peu d'espace de libre, est-ce que ça m'intéresse? De toute façon il fait le même volume dans tous les sens. Ouais, on va le placer comme ça. Et ça coûtera... la blinde de points. Et évidemment, la seule ressource qui nous manque, c'est évidemment la ressource la plus rare du jeu. Hein, c'est-à-dire le rondin, bien sûr. Ah. Oh, à 2,5, ça coule plus. Ah ouais, même la cuve s'est asséchée extrêmement vite. Hein. Ça dépend, ça déborde. Ça dépend, ça déborde. Ok. Ok, laisse comme ça. Oulala, là là. Oh là là, il est bien plein, il est bien plein. Ok, ok. Si vous pouvez me terminer ça tant que vous y êtes, s'il vous plaît. Oh, ça c'est bouclé. Voilà, très joli, très joli, très joli. Hop. On va se faire sauter tout ça. Voilà. En priorité plus basse, ce sera celle-ci. Ouais, faisons d'abord comme ça. Alors, je sais que c'est que de la dynamite et que finalement ça les arrange, mais voilà, faut prioriser à un moment donné. Voilà, du coup, lui, il a récupéré de l'espace de travail. Et ça, c'est intéressant. Et ben, je pense qu'à défaut de mettre un autre fermier, je vais mettre un autre forestier, moi, dans le coin. Il y a une mine par là, non? Ah non, c'est encore des immeubles. Elle est où, la mine, déjà? Elle est par là, ok. Ok. Ouais, il n'y a pas besoin. On pourrait rajouter des graines de tournesol. J'ai l'impression que c'est une ressource qui dépop à une vitesse. Pareil, les carottes sont descendues, mais... Ah non, elles sont pas descendues. Ce n'est pas des ressources qui descendent, c'est des ressources qui du coup ne montent pas. Parce que j'ai rajouté des énormes stockages, évidemment. Ça va nous arriver aussi avec les patates, on va avoir l'impression que ça tourne mal. L'eau infectée, c'est un problème. Remets-moi une pompe en marche. Non, à deux tu t'écoules, donc je veux pas que tu t'écoules. Pas que tu t'écoules pour l'instant.
Ils veulent pas me poser de dynamite, hein. Posez la dynamite, les gars. Hein. Normalement, ça se fait, on en fabrique. Qu'est-ce que je cherche? Tiens, débloquons ça aussi. Même si je m'en servirai jamais, mais. Enfin, faut pas dire ça, peut-être je m'en servirai à un moment donné. D'ailleurs, oui, c'est très dommage, dans les habitations, ils ont viré la porte à gauche ou la porte à droite. Avant, on avait le choix de mettre la porte à gauche ou à droite. Et je trouve ça très dommage qu'ils l'aient enlevé. Mais bon. Moi qui décide. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça y est, je peux enfin voir mon niveau d'eau sans retourner toute ma caméra comme un fou. Ok, c'est pas mal. Oui, 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 voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Ils veulent plus de graines de tournesol. Voilà, voilà, voilà. Ah, je vais rajouter une rangée ici, alors. Avec mes champs sauvages. Pompé, pompé, pompé. Get your pompé up. D'autres dînes. Je peux faire ça. J'en vais être pour rien. Oh, on a bien gagné du temps. Ah, on gagne de l'espace. Hein. On gratte. Hein. On gratte, c'est intéressant. En termes de nourriture, on va se planter. On a dit qu'on était en manque de carottes, je vais planter deux carottes. Hein. Je suis un idiot, hein, je réfléchis pas. Boum. Allez, on regratte encore. Waouh, waouh, waouh. Doucement, Coco. Doucement, doucement. Oui, 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 on a mis la pompe à fond. Non, on s'en rappelle, on s'en rappelle. On s'en rappelle, on pompe à fond. On pompe comme des sourdingues. Ah bah, je redynamite. Du coup, re-remplissage de champ. Re-carotte. Re-tout ça. Voilà. C'est magnifique. C'est beau. Enfin, c'est beau ce qu'on fait. Putain. Ouais, je dis, il se passe des choses. Ah, j'ai dynamité trop fort ici. C'est pas grave, ça donne un style moins régulier. C'est pas très gênant. Ça fait joli. Alors, on commence à être un peu haut. Stop la pompagation. Stopper le pompaging. Le pompaging. On ferme ça. Ferme ça. On met tout en arrêt. On verrouille ici. Tu t'arrêtes également. Tu déverses ton contenu. Voilà. Et si je te mets à 1, tu continues à te déverser? Non, non, arrête, fais pas ça, hein. 1, tu déverses tranquille. 0,5, 0,5 aussi. C'est bon, hein. Me trahis pas comme ça, hein. Voilà. Voilà, là, on est bon. Hein. Oh putain, oh putain, oh putain, c'est pas ce que je voulais. Au secours. Au secours, il m'a pourri toute ma flotte. Oh ok.
J'avais encore une vague qui faisait faire flux et reflux. Oh l'enfoiré, il m'a tout buté. Non, c'est en train de sécher. C'est pas fané. Voilà, c'est cramé, hein, direct. Hein. Allez, la dose de rate dans la gueule. Oh, il m'a tout pourri. J'ai tapé un retour de vague encore. Ça m'a tout pourri. Oui, pour la dernière dynamique, vous pouvez la mettre quand même. Oh, un peu cher. Bon. Allons-y. C'est encore radioactif? Ah ouais, il faut qu'il me pompe tout là. Le problème, c'est qu'il faut qu'il pompe tout. Il travaille jamais de l'année. Là, il faut qu'il pompe pour la première fois de sa vie. Mais est-ce qu'on a de la place? La pompage, ça a pas l'air d'être ça en termes de place. Oui, mais il va me vider ça où, lui? Est-ce qu'on se met une cuve à déchets radioactifs ici, là? Peu, hein. Bon, une cuve à déchets radioactifs là, et puis voilà, hein. C'est ce que je te dis. Boum, boum. Des petites carottes. Bon, encore des choses qui sont très jolies ici. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, faut pomper dur, ma gueule. Pompe, 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 pompe encore. Pompe, pompe, pompe. Parce que bon, faut pomper là. On est encore très loin du beau projet où cette route sera devenue, bien entendu, simplement une canalisation en fait. Hein. J'ai pas d'autres termes. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, c'est ni plus ni moins une canalisation. Je suis en train de demander d'ailleurs si je vais pas venir à la canalisation jusqu'ici. Petit castor là, ça devient juste un trou. Je remets le castor dessus, le petit temple là. Et en fait, c'est la cascade quoi. Ça coule là. Et ça vient irriguer tout ça proprement. Ça serait pas mal. T'as fini? Il n'y a plus d'eau infectée à pomper là? Ah, c'est parce que ça c'est pas bouclé. Pas de planche? Ah, y a pas de planche. Bah oui, y a pas de bois. Pas de bois, pas de planche. Pas de planche, pas de bois. Pas de planche en bois. Bon, on peut laisser ça comme ça, ceci dit. Je suis en train de regarder pour tout détruire, mais en vrai, est-ce qu'il y a bien besoin? Allez, je pense qu'il est grand temps de boire un coup. Buvez un coup. Ah, je suis en train de re... Ah, putain, il fallait que tu fasses une sauvegarde automatique à ce moment-là. Je te hais, le jeu. Je te hais. Ah, ça se déverse plus tout droit là, c'est un peu triste. C'est un peu triste. On n'a pas de... Il faut que je remette une foresterie, hein. Il n'y a pas à discuter. Hein. Il n'y a pas à discuter, hein. Il faut une foresterie, c'est obligatoire. Ça va être obligatoire. Foresterie dit vas-y, on va planter, on va replanter du marron. Hein. On va se remettre du marronnier par là. Je sais pas c'est quoi la portée effective de ce truc. C'est en général, voilà, c'est ça, c'est assez large. On devrait survivre.
Ici, on va se mettre un cueilleur. Ici, excusez-moi. Le cueilleur est ta priorité. C'est les marrons, bien sûr. Voilà. Je crois que je suis quelqu'un qui ne possède pas de pissenlit. Si, je dois avoir des pissenlits quelque part. Non, on a du pissenlit, on a rien du tout. Comment ça se fait que j'arrive à fabriquer du... il est où mon médecin? Toubib, t'es où? T'es là? Tous les matériaux, ok, oui. On ne fait pas de pissenlit. D'accord, ouais, c'est bien ça. On en a fait, il fut un temps. Mais c'était vite fait, c'était du... C'était du sauvage. Ça n'a pas survécu, évidemment. Alors, faut se méfier, parce qu'il faut garder quand même un espace pour la ferme. Très bien, bah, l'espace pour la ferme, il est bouclé. Donc on est très bien, on va pouvoir se mettre un petit peu de pissenlit, on n'a pas besoin de s'en mettre des tonnes, en vrai. En vérité, j'ai pas vraiment pas besoin d'avoir plus que ça. Parce qu'on est déjà bien, je crois, en termes de médicaments, on est quasiment au bout. C'est histoire de s'assurer de ne pas tomber en rade, et on sera très content avec ça. Il faudra penser à un stockage de... cette ressource... Intéressant. Intéressant mais néanmoins contrariant puisque ça ne rentre pas exactement comme je voudrais que ça rentre ici. C'est un peu dommage. On peut toujours en glisser un sur l'autre, hein. Rien n'empêche. Ouais, j'avoue, rien ne l'empêche. Je peux rigoler si on fait ça. Into ça, into ça, ça rentrera. Ok. Ça c'est un projet à l'arrêt, ça c'est un projet à l'arrêt, celui de là on les garde, celui-là c'est pour le pissenlit. Pissenlit, et celui-là c'est pour les... ah non, les médicaments on peut pas les stocker là-dedans, c'est dans des cuves. Ok. Et ben ça ce sera pour un projet indéterminé. Non, qu'est-ce qu'on ne stocke pas en nourriture que je voulais qu'on stocke aussi? Biscuits normalement c'est déjà fait, hein. C'est déjà parti. Biscuits et pain, c'est vraiment les trucs qu'on produit, mais comme des fous, quoi. Vraiment, on est des dingues de cette production, quoi. C'est... impressionnant. La porte est à gauche. Faudrait que je remette des grilles. Des bons gros grilles. À voir. J'ai pas décidé pour l'instant. Oui, comme ça. Très bien. Et au bout là, un petit stockage. Voilà. C'est encore pour du pissenlit. C'est des mini-stocks. Bon, sinon ici je remets du biscuit. Hein. Le biscuit on a l'air d'être débordé, on a l'air d'en avoir à plus savoir quoi en faire. Ouais, ici je remets du pain. Comme ça, toujours vraiment il y a une crise. Je la tiens, quoi. Je la tiens sans problème. Du coup, tu peux remettre ça en lecture. Tu sois bien, garçon. Voilà, c'est très rigolo. Donc ici, c'est bon. Ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Celui-là, je crois qu'il peut pas être atteint. Il est trop loin du district. Ouais. Hop. Voilà. C'est plus trop loin. Donc... on a planté ça, on est bon. Ressources prioritaires comme d'habitude, mon ami, ça sera le chêne, bien évidemment. Le chêne est de la priorité absolue. Tu pompes de l'eau infectée. T'as encore de l'eau infectée là-dedans? Ouais. 3,2. Okay. Elle est faite la grosse pompe? Non. On a réussi à remonter un peu la côte en eau, mais sans rajouter de pompe, du coup. Cette pompe-là ne compte pour rien. Mais bon, vu la masse de chômeurs que je suis en train de rajouter encore de la population, puisque ce quartier-là est en construction, hein, à un moment donné, ça va arriver. Hein, donc je pense que c'est bien que ça se termine. Il va falloir penser, les gars, à mettre un petit coup de collier là-dessus. Hein. Je veux pas être méchant, mais si vraiment vous voulez avoir un avenir, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il se dessine, hein, en ce qui vous concerne.
Du marronnier, j'en ai déjà mis. De l'érable, j'ai pas l'intention d'en remettre. Là, on a du sirop d'érable. C'est la fabrique elle-même qui manque. Pour l'instant, on va se planter ça comme chêne. Ouais, si ça pourrait être intéressant de se poser. Si, si, ça peut être intéressant. Si, si, vas-y. Allez, on se met une cabane de seigneur. On se remettra un petit peu d'érable. Pour que dans l'avenir, on ait quand même quelque chose à se mettre sous la quenotte. Et en train de me demander si je me mets pas genre des transporteurs. Genre, des transporteurs. Ou alors je les colle dans la zone, les transporteurs. Transporteurs, teurteurs. Voilà. On rappelle que ce job-là n'est toujours pas un job prioritaire, bien sûr. Mais comme ça, on n'est pas très loin. On n'est pas très très loin. J'hésite presque à faire une route pour raccorder, mais vu que j'ai pas envie de me retrouver près de ces eaux polluées là. Ou alors je commence à blinder cette côte. Non, ça se fait aussi, hein. On peut blinder la côte, hein. C'est quoi? Mais j'ai même envie de te dire, finalement, est-ce que nous avons besoin de tout cela? Moi je pense pas, hein. Oui, tout ça aussi tu peux péter. Hein. Non. Alors, non. Non. Juste celui-là. Merci. Après tu vas me dire, je peux pas récupérer mon bout de bois, blabla. Récupérer mon bout de bois, voilà. Parfait. Putain, c'est pas trop loin du district d'aller le chercher. Ok. Impeccable. On va blinder cette côte, je pense, à un moment donné. Oh, est-ce qu'on ferait pas mieux encore? Non, parce qu'en vrai, j'ai pas, c'est pas assez lâche pour mettre des roues, etc. Pour l'eau et compagnie. Hein. Je pourrais tout simplement aussi condamner cet accès. Hein. On pourrait aussi se dire ça. Hein. On pourrait se dire, genre, je sais pas moi. Genre, tiens, ici là. Très joli. On arrive. On se met une digue, pas une digue, un barrage. Et là, un joli petit barrage. As-tu vu? Ouf, regardez ça. On a l'impression que c'était prévu comme ça. Je pense que même le jeu il s'est dit, non mais si, si, c'est ça qu'il faut faire. Hop. Et là, on va commencer à monter. Là, c'est les vraies ascensions professionnelles. Oh là, on sort des vrais projets, hein, attention. Hein. Ça part. Hein. Ça part, ça dérape très très vite. Et ici, là... et ici, c'était où? Non, je crois que c'était dans la science. Non, non, c'est dans les eaux, je crois. Voilà. Alors ça, il faut des planches. Là, il faut que des ressources que... Genre le bas de gamme, j'ai pas les ressources, faut des planches. J'ai pas de planches, arrêtez vos conneries. Ça par contre, normalement j'ai tout. Hein. Ah si, on a 710, de la planche magique, le bois magique. On a 999. Et 400 écrous, on a 1002. Clôturez-moi ça. Voilà. Y'a rien d'autre à ajouter. Voilà, on prend tout ça. Voilà. 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 Parfait. On se met un gars qui coupe du bois ici. Voilà. On lui dit... Oula. On lui dit, tu me rabats tout ça. Voilà. Cool. Sauf les routes. Merci. Hop, 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 hop. Voilà. On va même faire le petit tour de cet arbre-là, parce que je veux pas empêcher les constructeurs de faire leur vie. Et ça, prioritaire. D'ailleurs, prenons l'outil directement. Ça aussi, ça et ça. Voilà. Voilà. On vit pas tous la même priorité. On est d'accord. Du coup, ouais, parce que du coup l'intérêt ça va être de se dire, voilà, tout ça on va se le dynamine, on va se le péter, hein, on va se le détruire, et on va laisser nos pompes écouler leur flotte de l'autre côté. Voilà, c'est ça le projet.
Je vais en mettre qu'une en marche, je pense. Voilà. Comment ça, il n'y a pas de... Ah oui, il y a de l'eau. Il n'y aura pas d'eau tout de suite, attendez, je coupe un peu. Je te remets tout en lecture, excusez-moi, il y a plein de choses que j'ai oublié de remettre en marche. J'étais dans... Voilà, j'étais en marche. Mais dans autre chose. Blum. Voilà, on va se faire sauter ça. On va continuer à tirer la route. Voilà, ce sera très bien. Ce sera très joli, non? Oui, du coup, ça c'est moins prioritaire. Ah oui, je vais remettre la priorité dessus, je sais pas. C'est passé de moins prioritaire à complètement prioritaire de ouf. Voilà. Voilà, voilà. Et après, c'est le site préférence. Voilà. Du rondin, de l'engrenage. Ah ouais, mais du rondin, on en a pas. Hein. C'est le drame. Hein. C'est notre drame, hein, évidemment. Je vais donc remettre deux pompes parce que là, pour l'instant, visiblement, on n'en tire pas assez. Allez, faut que ça monte, faut que ça monte. Faut que ça coule. Est-ce que j'ai le nez qui coule? Je ne crois pas. Il y a tellement de flotte à charger. Bon, on va s'en mettre une petite... Mets-moi une petite rasade quand même. Hein. Voilà. Ouais, histoire qu'on puisse bosser un peu. Ah, en plus, il est là, lui. Oh, regarde, c'est magnifique, ce petit castor, là. Pas beau, là? On va appeler Roger. Roger le beau. Allez, faut que ça monte, faut que ça monte. Hop, 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 hop. Ouais, ça risque de déborder un peu. Ça s'est très bien passé. Flux, reflux. On a l'air hyper stable. Hyper stable. Je vais te mettre à l'arrêt. Oh. Ah, il manque plus qu'une dynamite, les gars. La dynamite de votre vie. Oh, oh, ça part. Oh, ça part, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il me l'a fini. Oh là, il est beau. Incroyable la qualité de travail de ce castor. Alors, par contre, je sais pas comment j'ai merdé, mais il manque une dynamite ici. Je sais pas, mais je l'ai merdé. Voilà, un peu plus d'eau. Très bien. Très bien, très joli. Oui, oui, oui. Non, j'entends tes arguments. Stop. Stop. Je t'aime bien, mais... Calme-toi quand même. J'ai la portée maximale de mes champs, c'est merveilleux. Il ne me reste plus qu'à planter ce qui manque. Voilà. Voilà. Et on aura tiré tout ce qu'on pouvait tirer de cet espace. Quant à toi, bah tu peux. Toi tu nous dis je peux en faire encore plus de caisses, quoi. Finalement, je vais mettre ma rangée de pissenlit ici. Et je vais me demander à ce qu'on m'arrache ça. Là. Voilà. Très joli. Hein. Très beau débordement. C'est pas mal, les gars. Ça arrête, hein. Vous avez arrêté de pomper, hein. Ok. Ouais, le problème, c'est que quand ça déborde... Les volumes sont tellement grands que quand ça déborde, bah, ça déborde. Donc là, il faut que la terre elle picole. Et c'est pas gagné. Sauf si quelqu'un veut bien aller me faire ce bâton de dynamite là, vite fait là. Celui-là aussi, d'ailleurs, au passage. Non, un peu moins prioritaire celui-là. Il est submergé. De toute façon, il va mourir dans 3, 2, 1. C'est merveilleux. Donc je vais pouvoir remettre, on a dit du chêne, non du chêne, c'est le dernier, hop, du chêne, genre du chêne quoi, genre vraiment du chêne jusque là-bas là, oh parfait, parfait, du chêne jusque là-bas, du chêne à plus savoir où en mettre. Pourquoi il y a des trous dans ma raquette là? Pourquoi y a-t-il un trou dans cette raquette là d'ici? Je ne comprends pas.
Ça, ok, ça, ok. Bon, ça, tout ça, on est ok. Tiens, la petite rangée d'érable qui va bien. Non, j'ai l'intention de mettre des érables. Mets-moi une petite rangée de pain. Voilà. Oh, elle est swaggy. Certains disent d'elle qu'elle est swaggy. Alors, tout ça, ce sera vert à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il va falloir mettre du personnel abattant. Plus eux qui m'embêtent, là. Je sais pas trop où les mettre. Historiquement, on va les mettre là. On se dira, ah, c'était l'époque où c'était la zone désertique. Voilà. C'était la zone aride, rappelez-vous. Ah oui, c'est quand j'étais jeune. Un jeune petit castor. J'ai mis tellement de projets prioritaires qui vont devenir fous. Est-ce qu'on peut quand même... Ça, c'est gratos. Je mets à l'occasion. Si à l'occasion, vous pouviez vous sentir concerné, ce serait formidable, quoi. Ah, t'as plus rien déjà, t'as déjà tout pété. Oh, le mec était furax. Bon bah, bonne journée mon gars, salut. Hop, on va se remettre juste une route droite parce que la route de Traviole ça me rend fou. Ça, je deviens fou, direct. Voilà. 4008, on a rempli nos 9000 litres, nos presque 9000 litres d'eau. J'ai encore balancé 3 tonnes de milliards de chantiers, c'est évidemment parfaitement supportable, comme d'habitude. Vous dirais-je bien gaming, mais... Alors, même tarif que l'autre, hein. Tu replantes, poulet, hein. Tu replantes tout le temps. Et niveau coupe... Alors, niveau coupe, j'ai une zone de coupe à retirer, voilà. Parce que ça fait pas joli de laisser ça. Voilà. Et j'ai une zone de coupe à mettre. Tout là, ouais. Alors, mon morceau de TNT ici, s'il vous plaît. Si on produit encore de la TNT, hein, mais normalement, oui. Hein, normalement, il n'y a pas trop de problème. Hein. Non, ça, c'est l'hélice. Ça, c'est de la dynamite. Dynamite, en fait, au début, je voulais pas mettre deux usines parce que j'étais vraiment en train de me dire, ouais, c'est une production qui un jour finit par ne plus servir à quoi que ce soit. Ouais, ça, en fait, tu terraformes tellement que c'est comme la terre, quoi. C'est, t'en récupères tout ce que t'arraches à la terre, tu le redéplaces et ainsi de suite, quoi. Tu terraformes tout le temps, quoi. Voilà. Bon, bah, on a déjà mis pas mal de projets sérieux en place. Hein. Ça y ressemble, hein. En tout cas, ils avancent là-dessus. Hein. C'est pas très pratique pour eux parce que c'est loin hein, du QG, mais. Mais ça avance, hein. Putain, ils avancent bien même. Hein. Oh, les bâtisseurs en sueur, quoi. Impressionnant. Eh ben. C'est vrai que je me dis quand même, on a fait un bonhomme de chemin. Hein. Entre le début et maintenant, on a fait un petit bonhomme de chemin quand même. Donc puissance industrielle, c'est plus la même. Hein. Même en termes de main-d'œuvre, nous manque des constructeurs du coup qui sont pas venus ici là. Presque faire sauter cet endroit-là pour mettre des constructeurs ici. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de constructeurs? Parce qu'à un moment donné ou un autre, ce projet va se terminer. Et ouais. Et ouais, ouais. Donc, je pense que je vais pas vous retenir plus longtemps parce que ce projet-là va pas se finir là, je pense. Et les gars, ils ont beau envoyer faire des journées de 18h. Quoique, hein, quand même, hein. Ça avance quand même, hein. J'hésite. J'ai envie de dire, alors je ferais bien avance rapide jusqu'à ce que ce soit fini, mais on est déjà en avance rapide. Qu'est-ce qu'il manque de matériaux? Il manque de la ferraille. On est en déj de ferraille. Qu'est-ce qui te manque, toi?
Des genêts d'eau? La ferme ne suffit plus à produire du genêt? Ah oui, mais après c'est normal, on s'est pris les eaux radioactives, ça a tout détruit. Les genêts, en fait, non, même la ferme aquatique tout court, c'est un vrai problème, parce que autant ça produit beaucoup de nourriture, et c'est super pratique pour ça. Autant le problème, c'est que la sécheresse est la première à être frappée, ça se tanque encore. Hein. Et les eaux radioactives, ça les tue. Et vu que les genêts, ça met beaucoup de temps à pousser, c'est toujours une galère. C'est toujours une galère. Et ouais, on va se le finir ici, en fait. Hein. On va se finir ça ici. Hein. On aurait pu économiser quelques mouvements en traçant tout droit à partir de là, mais... Il aurait fallu repayer des escaliers, donc ça aurait été insupportable. Ça aurait été insupportable. Tout bonnement. Dites-vous surtout que le plus important là en investissement, c'est que bientôt. Waouh! Mais j'ai coupé mes pompes. Ah oui, j'ai coupé mes pompes, bah oui. Il n'y a plus du tout d'eau dans le fond là. Ouais, il n'y a plus du tout. Mets-nous juste une petite rasade vite fait. Glou 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 glou. Et hop, reviens là. Voilà. Oula. Il y a de la pression. L'effet de vague est bien fait. Hein. Vraiment. Il y a un travail sur l'eau quand même. Hein. Qui est pas négligeable. Hein. Voilà. Les travailleurs du nucléaire. Avec leur acier là, paf 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 into paf. C'est qu'on va la voir, hein. Ça va se faire. Hein. Ouais, ça, c'est un projet qui va se boucler le lendemain, ça. C'est-à-dire à peu près au moment où va sonner mon téléphone pour me dire on va au travail. Ah, vraiment. Très agréable ce jeu. Même si je pense que, encore une fois, les eaux infectées sont pas bien sorties, c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait propre, c'est pas. Le jeu ne propose pas de solution. Ça aurait été intéressant justement que les eaux infectées, par exemple, n'arrivent pas en événement aléatoire standard, genre. Comme ça, mais arrivent. Soit un problème lent mais sûr qui avance tranquillement. Et qu'on aurait pu du coup d'abord bloquer et ensuite avec l'espèce d'agora avoir une réflexion qui fait qu'on va débloquer un nouvel arbre de science, nouvelle chimie. Voilà. C'est pas un bâtiment prioritaire. Voilà. Ah oui, c'est même pas atteignable. Vraiment pour le mépris, je vais quand même faire un chemin pour le jour où ça m'intéresse. Hein. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Non, même ça c'est pas prioritaire, ça m'intéresse pas. C'était juste pour qu'il ferme sa gueule ce bâtiment. C'est tout. Voilà. Et maintenant on est tous ses courses. Il y a lui qui va falloir faire à un moment donné. Voilà. Dans délais raisonnables. Puisque... On va s'en servir comme réservoir, bien sûr. Voilà. Ah oui, parce que je suis en train de pomper. Et que ça y est, c'est remonté à des niveaux. C'est remonté à des niveaux très très raisonnables. J'ai pas d'autres exemples. Ah là là, c'est l'heure d'aller travailler. Insupportable! Pourquoi devrais-je aller travailler alors que je peux jouer au castor, putain? Quel monde injuste! Quel monde injuste, bordel!
Ah là 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 là. Juste, je pose ma dynamite et puis. Hop, voilà. Et on y va. Et on y sera. Et on est bon. Et la sécheresse est en approche. Oh, on est prêt, hein. Voilà, sécheresse. On est prêt. Bon, bon, bon. Du coup, elle est atteignable. Du coup, elle est atteignable. C'est parfait. Il faut remettre des chaînes. Encore. Encore plus de chaînes. Plus de chaînes. Plus vraiment. Ça me déchaîne. Ah, j'adore l'humour. On pourrait se faire une petite double rangée de pain, dans le doute. Même un peu épais, voilà. Comme si vraiment on a besoin d'attaquer du bois à un moment donné, comme un gros sourd, on peut se l'offrir. Petite rangée très raisonnable d'érable, je pense aussi. Alors, notre seigneur, il peut aller dans ce sens-là, donc on va lui mettre plutôt par ici, hein. Jusqu'en bordure de flotte. Eh, franchement, t'as de l'érable, cousin, je me suis pas foutu de toi, hein. Et puis, hein. Et puis, à un moment donné, parlons vrai, parlons sérieux, mettons du chêne, quoi. Déjà, je trouve qu'en termes de en termes de tout le reste, je me suis vraiment pas foutu de la gueule du jeu. Vraiment, je lui en ai mis quoi. Il y en a, hein. Il y a du bois, hein. Alors, je sais pas s'il va jusque là, lui. Non, lui va pas jusque là. Mets-moi ça, là. Ça va pas jusqu'ici. Il a déjà bien assez de boulot jusque là. Ce qui est pas faux, hein. Le mec a déjà bien du boulot. Et donc idéalement, faudra sûrement rajouter de quoi couper. Tac, 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 là-dedans. Hein. Voilà. Zone de coupe, zone de coupe, zone de coupe, zone de coupe. Votre zone de coupe s'agrandit. Vous avez agrandi votre zone de coupe. Ah, merci, c'est gentil. Zone de coupe. Voilà. Excellent. Voilà. Ah bah du coup il met la prio sur le chêne, évidemment. Évidemment, on se demande grâce à qui. Grâce à qui cela est possible. Bon, on en manque d'eau hein, par là. C'est sec hein. De toute façon tu vas pas au-delà de cette route toi. Donc finalement c'est très bien. Et je pense que de l'autre côté, on remettra des bûcherons, éventuellement une cabane de seigneur. On verra. On verra, on verra. Bon, bah sur ce, moi, il faut que j'aille bosser. Hein. Encore une fois, hein, faut que j'aille faire semblant d'eux. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.